comment assembler les pièces et réaliser un pré-ombrage à l'aérographe. C'est tout ce qu'on va voir dans ce nouveau tutoriel. Les techniques ainsi que les étapes y sont présentées, sans oublier tout le matériel. Vous y découvrirez comment passer d'un buste en pièces avec un montage finalisé et un pré-ombrage pour préparer la mise en peinture. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. On démarre avec la préparation des pièces, pour ça je vais prendre juste une pince ainsi qu'une lame X-Acto. On commence par enlever les surplus de moulage, généralement sous le buste comme on peut le voir, et on le trouve également sous la tête pour pouvoir positionner correctement celle-ci au buste. Comme on a pu le voir lors du kit sous la loupe, on a un certain nombre de défauts qui sont présents au niveau de la tête. Donc là, c'était tout ce qu'on avait identifié au niveau d'une ligne de moulage qui fait toute la longueur, qui part du cou et qui arrive même sur la coiffe. Donc là, au niveau des tissus, il faut gratter et au niveau des cheveux également avec la pointe, il faut vraiment gratter et aller éliminer cette ligne de moulage. Avant de coller les pièces, comme toujours, un petit test. Vous pouvez bien vérifier que tout joue au niveau des joints, s'il ne faudra pas retravailler par la suite avec du putty. On va reprendre toutes les petites pièces. Donc on va éliminer les surplus, gratter les éventuelles petites lignes quand même ou petits défauts autour des gravures. Là, il y a un petit résidu, je vais l'enlever avant d'enlever la pièce en surplus pour pouvoir le positionner correctement sur les oreilles. La plupart des pièces sont à gratter un tout petit peu, bien nettoyer et toujours vérifier leur positionnement sur la pièce en elle-même. Voilà, un petit complément pour pouvoir bien nettoyer vos plaies. Là, j'utilise une petite lime à ongles, toute simple, pour venir enlever le surplus sur certaines pièces. On va finaliser, on va dire, les grosses parties à l'aide d'un outil de précision. Et on va venir poncer certains endroits, comme là le dessous de la tête. Et on verra au niveau du buste, bien éliminer les surplus, que ce soit vraiment, vraiment, vraiment propre. Prenez du temps. Toute la vidéo est accélérée entre 2 et 3 fois. Mais prenez du temps. Le montage et bien nettoyer les pièces avant de travailler, avant la mise en peinture. C'est hyper important. Comme toujours, un test, bien que la tête soit bien placée ou n'importe quelle pièce au final, et on vient retravailler au besoin pour vraiment, vraiment au mieux ajuster les pièces entre elles. Thank you.
quelques petits défauts au niveau des épaules, le haut du bras en fait, qui a été identifié lors du kit sous la loupe. Donc là, très délicatement, avec mon outil de précision, je vais vraiment grossièrement enlever la base, mais très délicatement. Hein. Et après, je viendrai travailler voilà, avec une éponge abrasive très fine de chez Tamiya, pour vraiment que ce bras des deux côtés, je crois qu'il y avait des soucis, soit au plus juste, au plus fin, pour pouvoir faire la mise en peinture et placer une couche d'après. On va préparer la fixation du buste. Donc ça, j'utilise mon outil de précision avec une mèche complètement adéquate au diamètre soit des tiges de mon support de travail, qui est exactement la même chose que des tiges standards de mes socles. Un petit test quand même sur mon socle de travail, en tout cas sur une tige qui a la même dimension que sur mon socle de travail, la centaine éteint en rabiot, toujours la préparation de la pièce et le nettoyage, et maintenant j'ai pu la poser sur mon trépied pour pouvoir faire la suite des travaux. L'assemblage des pièces, première partie, on va utiliser de la cyano, même pour la suite, hein, les pièces plus petites. Ceci dit, là, les pièces sont suffisamment grosses pour que je puisse directement poser de la cyanalite directement sortie du flacon à l'intérieur du buste et sur le cou. Pour toutes les autres pièces, les accessoires, les compléments, les plus petites, toujours avec la cyano, mais j'ai pour habitude de la déposer sur une petite carte plastique à côté de moi et toujours un cure-dent. Donc comme ça, je peux prendre la pièce, soit la zone est suffisamment grande et je peux tremper directement la pièce pour aller chercher de la cyano au bon endroit et poser sur la zone à coller, soit c'est plus petit et à ce moment-là, j'imbibe mon cure-dent et j'utilise celui-ci pour placer sur les zones adéquates la cyanolie. Dans d'autres cas, je reprends directement en sortie du flacon, directement si la pièce est suffisamment grande, puis je peux refaire des petites retouches à quelques endroits, comme sur le masque qu'on peut voir, où il faudrait une petite pointe de colle de trois endroits pour vraiment bien le fixer.
L'opération est assez simple, on a pu voir que sur les deux éléments qu'il a sur les oreilles, j'ai dû couper un petit peu de nouveau avec la pince pour vraiment que ce soit bien positionné et puis bien regarder comme elles partent vers l'avant juste que ce soit la même hauteur. Voilà, là il y a juste une qui est un tout petit peu descendue, je l'ai remise beaucoup plus droite lors de la préparation avant l'application du pré-ombrage. Couche d'après, on va faire ça à l'aérographe. Pour ça, j'utilise un primer de chez AK que je mélange avec du thinner de chez Tamiya, le XF20. Il marche très bien, il est assez universel, je dois dire, franchement. Bien dilué, vraiment de fines couches et on travaille gentiment pour bien recouvrir l'ensemble de la pièce. Étape par étape, mais de très très fines couches pour que ce soit vraiment uniforme et pas trop granuleux si on a une mauvaise dilution au niveau du primeur. Prendre le temps, bien observer la pièce pour placer cette couche d'après. Avant de faire cette étape, le buste a subi un lavage avec du produit vaisselle pendant un petit moment, puis après légèrement brossé avec une brosse à dents d'enfant, comme ça elle est assez douce. La résine était grasse, je ne sais pas si vous avez vu le kit sous la loupe, mais elle était vraiment vraiment grasse. Donc voilà, un bon nettoyage avant avec du produit vaisselle, bien séché avant de passer ce primeur. Pour le pré-ombrage, même principe, donc toujours dilution avec du Tamiya, du thinner Tamiya, et du blanc pur, mat. Alors on va toujours me poser la question, quelle est la dilution idéale? Ben, c'est franchement un équilibre entre la pression et puis votre buse. Ceci dit, la texture du lait est le meilleur moyen. C'est pour ça que je fais un petit test sur le godet pour voir la dilution, si elle est vraiment, vraiment, vraiment fine. Le passage sur le buste se fait depuis le haut, là on vient faire un zénithal, et la peinture étant fortement diluée, vraiment 60-40 voire 70-30, elle doit être très très fine. Je vois trop souvent des photos où c'est passé un pré-ombrage et on voit vraiment des petites taches, des pixels comme ça de blanc. Faut vraiment 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 que ce soit le plus fin possible pour pouvoir peindre après sur la pièce et que ce soit vraiment vraiment agréable à peindre sans qu'il y ait ces petits points, voire qui créent des reliefs, puisque la peinture est plus épaisse. Donc je prends mon temps, toujours avec cette inclinaison pour faire du zénithal, où je fais de l'avant-arrière, voire du gauche-droite, au-dessus du buste, en variant la distance en fonction du besoin de précision. La vitesse est accélérée sur la vidéo deux fois, mais on va s'arrêter un petit moment, puis je vais vous passer en vitesse réelle. Comme ça, on voit bien le travail qui est fait vraiment tranquillement à une certaine distance pour pouvoir vraiment avoir ce résultat hyper fin au niveau de ce pré-ombrage. On observe bien sa pièce. On a vu tout à l'heure que je regardais par le dessous comme par le haut, toujours pour voir bien cet effet zénithal qu'on va essayer de reproduire. Au mieux, dans l'état actuel, je vais m'arrêter, placer la pièce sur son buste de travail et on est prêt à démarrer sa mise en peinture. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque-là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao !